Bonjour et bienvenue encore sur channel là Jojo Maker. Si vous abonnez dans mes vidéos, faites ça pour nous. Jodi a nous dans deuxième vidéo dans série ça côté que nous montrer base sur Adobe Premiere Pro. Base pour capable bien pour capable apprendre faire montage vidéo de façon professionnelle. Si vous regardez première vidéo, on a mes vidéos cliquez en l'air sur petit link ça va apparaître là pour regarder première vidéo parce que sont vidéos que nous avons fait et en série pour que de 1 jusqu'à 10 pour que nous montrer base ça tout ça vous connaissez sur Adobe Premiere Pro capable faire montage professionnel. Je vous dis dans la deuxième vidéo on va expliquer comment que vous capable ouvrir un projet sur programme ça et comment tout capable organiser et tout fichier qu'on gagne dans programme là pour capable perdre lorsqu'on va faire montage vidéo. On aller ça vraiment intéressant, on aller ensemble avec. OK, là nous sur Adobe Premiere Pro nous pour et créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, il est vraiment simple et il est pas compliqué du tout. Et vous pouvez juste cliquer sur Find et pour faire New et pour vous cliquer sur Project. Automatiquement, vous avez une petite fenêtre comme ça qui ouvre devant. Et puis, fenêtre ça, il y a bonne possibilité pour créer un nouveau projet. Pour capable nous créer un nouveau projet, vous obligez balayer un nom. Dans la première petite colonne, ça ouvre qui en l'air, il y a bonne possibilité pour balayer un nom. Vous juste cliquer n'importe nom que vous voulez balayer. Et puis, deuxième petite colonne, ça ouvre là, il y a bonne possibilité pour choisir qui côté sur ordinateur ou pour le save projet là. Pour si toutefois, vous n'avez pas de fin de travail sur les jeudi à ou t'as voulu tourner solide demain si je veux ou bien en semaine ou bien en mois en bien on capable aller dans même côté ça sur ordinateur là ou t'es save projet ça pour capable continuer travail sur projet ça t'as comme même là moi gon côté que directement moi save projet maintenant t'as ou bien cliquer sur petit bouton ça que les boys. Et puis il y a bonne possibilité pour naviguer en ordinateur là pour sélectionner n'importe côté que sur ordinateur vous voulez save, vous voulez save projet ça. Moi même pas fait ça et moi même moi un côté déjà moi qui est en save projet et puis automatiquement vous cliquez sur OK. Mais et chaque fenêtre ça nous pour nous expliquer à pas chaque petit bar ça yo général là qui parle bon par rapport avec format vidéo, format audio et tout ça yo nous gain pour nous parler en détail sur ça mais pour le moment et pas ça qui vraiment important. Nous qui est sur OK et bien vous faites yes et puis automatiquement projet là l'écrit projet la créé qu'on y a là ça que nous te dit nous pour montrer comment vous capable importer fichier qu'on pral besoin pour faire montage vidéo en dedans et Premiere Pro et puis comment pour capable organiser ou capable pas perdre en dans programme parce que il y a des montages vidéo qu'on pral faire ou gain 5 6 ou bien ou gain 12 ou gain 50 ou gain 25 vidéos que ou gain pour éditer ou gain audio ou gain image ou gain vidéo extra ou gain paquet l'autre bagaille qu'on pral mettre ensemble pour capable bon vidéo là ça veut dire tout ça ou pas bien organisé ou capable perdu et nous pral montrer trois façons pour que capable importer fichier ça yo en dans Premiere Pro. Première façon, c'est vraiment simple. C'est juste cliquer sur Find et puis ou descendre en bas ou on petite écriture qui marqué import. Import et ou juste cliquer sur lui et puis là, il y a ouvert une petite fenêtre qui a montré et qui côté ou te gen fichier là pour le prendre. Deuxième façon qu'on capable importer fichier en dans Adobe Premiere Pro, c'est faire deux clics en dans ça dans espace vide ça là ou faire deux clics et puis dans fenêtre de projet et puis la voyo directement et même côté à même petite fenêtre ça pour pouvoir aller chercher fichier là qui côté lié. OK? Troisième façon, il est vraiment simple et sur Windows on faire contrôle I, sur Mac on faire commande I. Quand même là moi sur Windows me fait contrôle I automatiquement même petit fenêtre moi en li ouvri encore pour que m'aille chercher fichier maintenant côté lié là li vraiment important. OK, si son vidéo me besoin me prend vidéo ça moi open vidéo maintenant. Si mon audio que me besoin me fait double clic encore en dans fenêtre de projet là non espace qui vide moi fait double clic et puis là il ban possibilité pour m'aller chercher audio là là moi sélectionner et folder là m'aller dans folder qui marqué audio et puis moi prend audio là automatiquement moi fait open automatiquement audio là paraît tout n'a si me besoin image m'aller importer encore. Et puis là moi aller en dedans et folder ça que les tutoriels côté gain image moi yo et puis moi prend une image automatiquement me faire open et puis fichier moi là c'est comme ça ou importer fichier en dedans Premiere Pro qui vraiment facile. Kounya là Jean que nous te dit nous va montrer comment pour organiser fichier ça. Tant qu'on voit là moi gain image, moi gain audio et puis moi gain vidéo. Ça veut dire et c'est trois fichiers différents, c'est trois fichiers que me capable utiliser et me pas
utiliser en même temps dans vidéo. Ça veut dire pour me pas perdre en dans fenêtre de projet là, car tellement gain vidéo, si gain 4 5 vidéos, gain audio, gain image là, qu'on y a là me ca organiser. Comment pour organiser en dans et Adobe et Premiere Pro. Premier bagage ou capable faire et si m'effacer tout ça yo. Premier bagage ou ka faire si moi effacer tout fichier ça yo là. Me sélectionner tout, me font petit drag et m'effacer yo. Ou capable et ou après yon ti icône là qui est en forme folder, ou cliquer sur lui et puis là il y a bonne possibilité pour créer un folder en dans Premiere Pro même avant que même on commencer importer et fichier yo. Là tant que si c'est vidéo on va le faire, me faire folder ça, me reler vidéo. OK, me reler vidéo, me faire OK, connait là même cliquer sur même petit folder encore la bonne possibilité pour créer un autre folder encore. Ça me doit reler audio. Mon relé audio, mon cliquer sur lien encore, ça lien qui doit relé image. Mon relé image. Là, qu'on a là, me connaît, me gain trois folders là. Là, si ouais, tu flèche à bas tête en bas, ça veut dire folder à faire, mais s'il bail, s'il comme ça veut dire folder à ouais, comme nous pas folder ça pas rien là-dedans, ça fait après, on pas pour top différence lorsque l'ouvre avec lorsque le ferme. Mais si me fait deux double clic encore mal pour une image et puis moi fait open. Automatiquement image m'en vient là, me prend image m'en cliquer sur lui, me quitter doit moins sous bouton clic là, me draguer, moi mettre là dans folder ça qui marqué image. Depuis où il grisé là, ça veut dire dou mettre là dans folder ça, mettre là dans image m'en. Automatiquement après image m'en vient paraître en dans folder image m'en là. Si me cliquer sur petit flèche ça qui va être en bas, me pas pour image m'en encore mais il en dans folder. Et automatiquement n'importe qui là que me besoin image m'en, m'a juste cliquer m'ouvrir folder là et puis moi image moins utiliser normalement ou bien l'autre possibilité qui gagne encore tant que si nous effacer ça yo et si nous effacer ça yo et l'autre possibilité qui gagne ou capable depuis sous ordinateur là depuis dans folder côté que vous faites vous mettez fichier yo ou capable tout organiser fichier yo tant que par exemple si me fait double clic ou après si me fait double clic là ou après il va ban moins possibilité pour mal chercher un fichier et pour après là en dedans folder nan ki rele tuto a moins tout gagner folder yo là qui bien fait et puis m'gen dans là m'konnen audio yo là et puis si m'konnen m'gen nan image même gen image moi là et puis si m'ale là m'konnen m'gen vidéo yo là on a là ça il ban possibilité m'gen droit juste prend yo m'gen droit juste draguer tous les trois m'sélectionner tous les trois et puis m'fait open et puis et moi juste et sélectionne me fait me garder tous les trois il me fait open folder excusez-moi me fait open folder parce que c'est folder oui me sélectionner tous les trois et puis me fait open folder dès il me fait open folder automatiquement folder a qui est les tutoa qui est les audio à l'ivini après là il va prendre tous les trois pour un seul et puis moi juste cliquer encore moi juste faire double clic encore et puis là moi al prend kounya là l'autre fichier là parce que m'gèl était ouvert et audio ça fait le prend seul audio m cliquer sur imagement folder imagement et me fait open folder encore ou après imagement il paraît et folder image apparaît là avec toute image moi en dedans après audio là il paraît avec toute audio en dedans là et puis si me fait double clic encore moi al prend kounya la vidéo moi je clique en fois sur folder vidéo et puis me fait open et import folder et puis là après il ban moi possibilité pour et folder vidéo maintenant li vini automatiquement sous Adobe Premiere Pro. Là lorsque vous travaillez comme ça ou pas nan casser tête lorsque vous avez besoin vidéo qu'on est dans qui folder pour aller chercher lorsque vous besoin image qu'on est dans qui folder pour aller chercher lorsque vous besoin audio ou qu'on est qui côté pour aller chercher. Là moi qu'on aime trois folders, mien audio dans un folder, moi gen image dans un folder et moi gen vidéo dans un autre folder. D'accord, là si me garder vidéo mieux m'a garder moi me garder tout ça yo c'est vidéo que m'gen en dans folder vidéo là là m'konnen que si c'est audio m'besoin m'juste cliquer là m'après audio paraît parce que ça c'est en dans folder audio que nous rivé dans faire vidéo a nous espérons côté apprendre puis ensemble avec moi comment créer un projet comment ca organiser et tout fichier en dans projet ça li vraiment vraiment important faut qu'on pas négliger lorsque vous fin créer projet a faut tient à ce que ou bien organiser pour puis devant pour pas perdre on a cherché une vidéo on a
cherche un audio, on a cherche une image, ou prend pile temps pour jouer nous. Les consoles perdent en pile temps, travail pour ta faire dans une heure de temps, bien dans deux heures de temps, les consoles viennent perdre un paquet de temps pour faire travail. Sous tes petites vidéos, une seule façon qu'on va montrer ça, cliquez sur le petit pouce bleu. Et si tu fais beaucoup abonner sur la chaîne, là, dans vidéo, fais ça, Kounia, une façon pour encourager nous et vous pouvez partager le tout avec entourage tout le monde connaît qui est channel YouTube mais qui pas qu'on fait montage vidéo partager l'ensemble avec lui pour vous même capable apprendre pour communauté capable grandir ensemble. Passez un bon rendez-vous l'autre semaine pour troisième vidéo dans série ça. C'était avec vous Jojo Maker. Ciao.